Cette nouvelle semaine que je suis très heureux de débuter encore une fois avec vous. Bonsoir à tous, bonsoir les Chini, bonsoir Bouluga, bonsoir Mossouk, bonsoir Soli Wolf, bonsoir Reda, bonsoir Freddy, bonsoir qui encore que j'ai pas vu, Slux, bonsoir Attila, bonsoir qui est là, dites-vous, manifestez-vous dans le chat, bonsoir Maxime, j'ai attendu ce moment toute la journée, oh à ce point, ça fait plaisir, salut Eddy, coucou président de la ville, bienvenue, je suis très heureux les amis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, en ce 5 février 2024. On est reparti sur une nouvelle semaine de stream, alors qui sera un petit peu plus allégée cette semaine. Forcément parce que j'ai des petits... coucou Letty, ça va, hein. Je suis toujours un petit peu patraque, un petit peu dans le coltard, je sais pas ce que j'ai hein, depuis... Est-ce que c'est vraiment... Je sais pas. Mais ça va. Et donc du coup, cette semaine, on en a parlé hier soir, parce que hier soir, il y a le live GTA RP. Et je vous ai dit que cette semaine, on n'allait pas streamer tous les soirs, puisque mardi et jeudi, je ne serai pas dispo. On va quand même streamer une bonne partie de la semaine. Et on attaque, justement... Les amis, avec directement le petit planning. Donc ce soir, on attaque The Last of Us partie 2. The Last of Us partie 2 pour continuer le jour 2 à Seattle. Qu'on avait achevé avec Abby la semaine dernière. Mardi, donc demain, j'ai une réunion pour potentiellement la mise en place d'un nouveau projet. Donc je ne serai pas dispo. Mercredi, on continue GTRP. Jeudi, je serai en off parce que là, c'est le bilan trimestriel de Tech2 Interactive. Et vendredi, on continuera GTRP. Voilà, ça, c'est un petit peu le programme de cette semaine allégée avant de revenir dès la semaine prochaine à une semaine complète, les amis. Tu dors beaucoup la nuit ? Pas beaucoup en ce moment.
J'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, j'ai une question, Chris, une annonce de Last of Us Partie 3, appelons comme ça, pour la toute fin de l'année 2024, c'est possible. En fait, c'est un petit peu comme j'en ai parlé, dans la vidéo. Tous dans le micro, pourquoi tu veux tous dans le micro? C'est un peu comme j'en ai parlé dans la vidéo de ce week-end, là, quand ils l'ont vraiment officiellement enfin, teasé par Neil Druckmann. Tout dépend en fait si Druckmann dit la vérité ou pas. Si vraiment le jeu est en pré-production depuis l'année dernière, que le script a commencé à être écrit l'année dernière, si tout ce qui est dit dans le documentaire est vrai, je pense pas qu'il y aura une annonce cette année. Il faudra considérer en fait ce qu'il y a dans le documentaire comme l'annonce de cette année. En revanche, s'ils nous ont un petit peu dit du pipeau, parce qu'on rappelle que Neil Druckmann, depuis avril 2021, il parle d'une pré-production de The Last of Us Partie 3, et qu'en fait, ça fait déjà 2 ans qu'il travaille dessus. Bon, là, mon avis, à voir. Mais en tout cas, je pense pas qu'il arrivera avant. Quoi qu'il arrive, pour moi, je le vois pas arriver avant 2027. 2027, ce sera vraiment le plus court qu'on puisse avoir. Qui sortent avant GTA 6, au moins on en profite. Ah non, mais il sortira pas avant GTA 6, hein. C'est sûr et certain. Franchement, c'est sûr et certain qu'il ne sortira pas avant GTA 6. Ou alors je serais vraiment extrêmement surpris. C'est-à-dire que vraiment, ils ont fait ça en zoom zoom sans prévenir personne. Mais je serais très très surpris. Moi, je pense que c'est 2027 au meilleur délai. Je serais pas. Ouais. 2027, je pense qu'on arrivera à la fin de la PS5. Oui, par contre, une annonce en 2025, c'est pas impossible. Oh, c'est pas impossible. Mais je le vois vraiment pas arriver avant 2027. Hein. Mais du coup, ça pose beaucoup de questions. À savoir, est-ce que Naughty Dog va vraiment rester 7 ans sans sortir de nouveaux jeux? Et moi, j'ai du mal à y croire. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, ils vont nous sortir une nouvelle IP? Parce que bon, les remaster remake, là encore, il y a eu la rumeur de Uncharted Rex Fortune Remake. Mais apparemment, ce serait pas Naughty Dog qui s'en occupe. Mais voilà, le studio Naughty Dog ne peut pas rester 7 ans. Enfin, là, au bout d'un moment, moi, je vais me désabonner de tout. Hein. C'est-à-dire que je lance Rockstar My en 2013, à l'époque où ils sortaient un jeu par an. Dès 2013, ils commencent à sortir un jeu tous les 10 ans. Je lance Naughty Dog Mag en 2019, à l'époque où ils sortaient un jeu tous les 2-3 ans. Et là, s'ils mettent à nouveau 10 ans à sortir des jeux, moi, au bout d'un moment, je vais arrêter les mags. Je vais là, au bout d'un moment, je me dis, pose-toi les bonnes questions, bro. Je mise cette année sur l'annonce d'un nouveau jeu et une sortie l'année prochaine. Et l'an prochain, l'annonce de partie 3. Ah putain, si par contre, la même année, j'ai une sortie de jeu Rockstar. En fait, ça va être ça, en fait. Ça va être deux studios à la con, là. Qui vont vraiment se synchroniser sur les annonces et les sorties de jeux. Et du coup, je vais prendre tarif une année. Et après, pendant 5 ans, il n'y aura plus rien. Ça va être ça à chaque fois maintenant. Donc. Wizai, tous les gens en disant partie 3 et cette année nous se prennent avec les annonces dans le jeu. À voir. Honnêtement, je suis assez partagé. Je vois pas Naughty Dog rester 7 ans sans sortir de jeu. Voilà. Pour info, Cri, je t'ai ajouté sur Snap, j'ai le même pseudo. Oula! Snap! Je sais même plus. Je sais même. Enfin, ça doit être. Est-ce que je. On va voir si. Parce que je crois que j'avais deux comptes. J'avais un compte pro, un compte perso. Sur lesquels je ne vais jamais. Et je crois que. Tu penses quoi? Tu vends Rockstar Mag, tu peux en tirer combien? Oula, j'en sais strictement rien de combien. De combien. Je sais, Snapchat, je l'utilise jamais, je n'y comprends que dalle. Alors je pense que là, je suis sur un. Je pense que là, je suis sur un sur mon compte privé. On va essayer de changer de si je déconnecte. Ouais, vous faites ressortir
Vous faites ressortir des... Utilisez un autre compte. Tu sais sur quel... C'était Liberty. Voilà, je sais même plus... Je... T'as, le... T'as l'identifiant parce que je sais même plus mon compte... J'ai le compte Chris Klippel qui est... C'est-à-dire que je l'utilise tellement pas, tain, j'ai des snaps en... C'est vraiment le réseau que j'utilise jamais. Un bon million. Oh non. Non, non. Je sais pas du tout... Je sais pas du tout combien serait estimé Rockstar My, si tes réseaux compris. Y a moyen de voir ça, comment on peut voir une estimation de... Je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout. Faut peut-être pas que j'aille voir, autant bien je vois ce que ça vaut, et là c'est ciao, hein. Je vends tout, je pars aux Bahamas, et... Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas. Non, ça vaudrait pas 100 000 balles. Ça vaudrait pas 100 000 balles. Je sais pas. Et vous êtes beaucoup trop optimiste. Hein. Ça va avoir, je sais pas, 5 000 balles. Je sais pas. Je sais vraiment absolument pas la valeur que pourrait avoir Rockstar My. Honnêtement, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question, du coup je ne sais pas. Ah, je crois que j'ai retrouvé mon compte. De quoi ouvrir une boîte. Oula, à mon avis, pour avoir une boîte à Los Santos, il te faut beaucoup plus de 10K. Hein. Si tu veux ouvrir une boîte à Los Santos, ça doit coûter bonbon. Je crois que j'ai retrouvé. On va voir ça. Ah ouais. Tac tac. Et ben voilà. Je t'ai accepté, Eddy. Tu auras le plaisir de ne jamais rien voir. De ne jamais rien voir puisque je n'y suis jamais. Salut Quentin. Salut salut. Bon les amis, sur cela. Trêve de bavardage. Et évitons de parler de ce qui n'arrivera pas, parce que même si j'arrête, je sais pas si je vendrai. Peut-être que je lèguerai à mes équipes actuellement, pour pas que ça s'arrête et pour que je sois sûr que ça reste entre de bonnes mains. Sauf si ils veulent pas, et dans ce cas, je sais pas. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est The Last of Us Part 2. Avec, eh ben, le... Oula, qu'est-ce que... Tac. Arrête. Je vais te tuer. Quoi? Je suis sérieuse. Arrête, merde. Presque Los Santos. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. Mais de rien, Quentin. C'est totalement normal. Je réponds à tout le monde. Totalement normal. Merci à toi. C'est très gentil. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit. Non. On peut en parler. J'avoue qu'on est à 2 km d'écart de Los Santos. Il est tard, Owen. Ouais. Oh, ok. Non! Non! Arrête, c'est trop! Oh putain, t'as raison! Tu sais. Bonne soirée, Freddy, merci à toi. Continuer comme ça, Abby.
Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen. Je t'ai toujours aimé. Non ! Owen ! Et là, il y a un rocher. Paf ! Adieu, Owen. Abby, qui, on le rappelle, a bien entendu le vertige. Hein. Oh mon dieu. Moi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Eh ben, merci beaucoup, Quentin, et bon live à toi. Bon live à toi. Abby ! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté ? Et j'ai raté ça ? J'ai cru que tu t'étais noyé. Et tu es venu me sauver ? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyé. J'ai trouvé quelque chose de génial. Ah, je pense que les voulus... Oh, la musique. Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Alors, pour ceux qui se rappellent plus trop... T'inquiète. Dans le premier jour à Seattle, avec Abby, elle retournait à la base et on lui apprenait que Owen avait trahi les Wolves et que il y avait une mission qui se préparait et que du coup on abandonnait Owen et qu'il fallait aller faire la mission. Et donc c'est là que Abby se souvient d'un... veut aller le chercher. T'as Manny qui lui dit mais tu sais pas où il va être, et là elle dit si je sais. Où il peut être, et là elle vient se souvenir de ce... elle vient de se rappeler de ce souvenir. Oula, 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 oula. Ils ont fusionné. C'est quoi cet endroit? J'en sais rien. Tu veux continuer? Owen, ouais, moi je le kiffe bien, Owen. J'avoue qu'il est classe. La musique, elle est sensationnelle. C'est un de mes morceaux préférés. C'est complètement dingue. Jack, c'est une sorte de... De zoo, pour poisson. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. C'est fou ces petits détails, parce que rien que le fait qu'il appelle ça un zoo pour poissons, ça montre qu'en fait, bah, ils connaissent pas les aquariums. Puisque Owen et Abby sont nés pendant la pandémie. Donne-moi ils sont nés pendant la pandémie, donc ils ont pas connu le monde d'avant. C'est bon. Vas-y. Ah, oh, Dina, elle est cool. Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Dina et Jessie sont trop cool. Bon pour un coq. Mais ouais, j'avoue que j'ai du mal. Manny, ouais, Manny, j'ai c'est un peu de mal aussi. Mais Dina et Jessie, c'est les goats. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les Wolves. Ouais, ou des Scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. On parle pas trop de la suite, les amis. On rappelle que dans le chat, il y en a qui n'ont pas vu le jeu. Arrêtez de parler de la suite.
Bah alors. Pas de... Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons? Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr. On y va. Salut Balustor, bienvenue. Salut Deadpool, bienvenue. Essayez par là. Aide-moi à monter. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze. J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Plus que je ne soulèverai jamais. On jette un coup d'œil rapide et après... On rentre direct. Ouais. Sauf que tu vas halluciner et que tu vas me supplier de rester. Ça tous les jours. On a vite fait quelle épaisseur. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit. Ah, Abby a connu l'aquarium. Avec des enfants qui couraient partout. C'est un autre monde. Ah si si, on le voit bien dans son premier flashback où avec son père, où elle lui dit... Tu sens qu'il y a anguille sous roche quoi. Cet endroit sera mon royaume. C'est chez moi. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Bah ça, ça se passe un an plus tard. Ça, là, ça fait un an que le père d'Abby est décédé. Et donc c'est là qu'ils viennent d'arriver, ils ont rejoint les Wolves. Hein. Donc au bout d'un an, effectivement... Le bonhomme, il a potassé le sujet quoi. Donc là, c'est officiel, ils sont ensemble. Bah allez là. Fermé. Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. On a fait... 60-65% du jeu. Je pense qu'il reste encore 2 streams avec celui-là. 3 streams avec celui-là. On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. T'adores cet endroit. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à un... Owen, t'avais raison. Merci de m'avoir traîné dans cet endroit magnifique. Je vais y réfléchir. Ça me va.
crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Ses enfants sont allés rejoindre Nescar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème ? C'est un squelette, il en a plus besoin. Et ses enfants, ils sont là. C'est terrible. Sa femme, par contre, on sait pas où elle est passée. Hein. Ça fout un peu le cafard quand même. Puisse-t-elle te guider ? Alors les Scars, si vous avez pas compris, c'est une formidable secte. Hein. On y est vraiment dedans. Hein. Donc les Scars... C'est ceux qui sifflent et qui sont ennemis avec les wolves. C'est le moment de sortir les clés. Ah oui. Celle-ci. C'est bon. Oh, ça a dû prendre une éternité de peindre ça. La vie, elle a vraiment pas de chance. Par là. Allez. Owen. Les Shinny, arrête de faire des sous-entendus, etc. Promis. Ça fait déjà deux fois qu'on te le dit, là. Évite de... regarder en bas. Oh. Descends. Ça va aller. J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah... C'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Ah, comment ça fait bader cette citation. Pas mal ta forteresse, Max. Autant bien, tu l'as déjà rencontré, tu l'as buté. Oh. Allez, amène-toi. Comment ça pour une meuf? Il y a des meufs qui sont hyper baraques, pourquoi? Pourquoi ça doit être propre aux hommes d'être musclés? Attention, musique qui fait bader. Regarde. Tu vois qu'ils ont des taches? Ouais, ouais. Bon, Bouluga, t'es sûr là cette fois? En vrai, je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'ai allé trop loin. Oh là là, Moussou, tu t'enfonces là. Tu t'enfonces. Tu es moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais...
Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Exactement, Boulouya. Bon, bah de retour à Seattle, jour 2. Monsieur Owen s'était caché ailleurs. Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Grave, c'est vrai que ce plan, il... Y a moyen que tu changes encore d'avis? Non. On sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin... S'il a vraiment tué Danny... On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hey, Abby. J'apprécie que tu m'aides, filé en douce. Tu vas y aller comment, à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Suffit de suivre le soleil. Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scars dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui vois. Ouais, t'es où niveau munitions et tout là? Pas la folie furieuse quand même. On va créer des munitions. Là. Putain, on est en raid de tout en fait. On est en raid de tout. En raid de tout. Il va vraiment falloir farmer. Ah. Là du coup je pense que on va pouvoir voilà, là on a tout. Ah non, il nous en manque là. Ah bon, on peut prendre ça aussi hein. Voilà. Les compétences d'Abby, elles sont moins cool que celles d'Ellie, je trouve. Alors, on commence à avoir qu'un seul boulon par un seul boulon là. Attends. Y'a quoi derrière cette porte? Voilà. Abby, qu'est-ce que tu fais? Ah, 2 minutes hein! Tu savais qu'il y avait quelqu'un qui squattait ici? Oh. Non! En me murmurant des choses en espagnol? Hein? Hey! C'est privé! C'est pas vrai! C'est ma chambre ici! Dis-moi, t'as combien de donjons SM dans le coin? Ok, pardon? All English. Ah, je m'en rappelais plus du tout, je devais être passé à côté de cette chambre là. Incroyable! Hey. Merci. De ça? Ouais, de ça. Et de tout le reste. Ah. T'es un vrai pote. Arrête, Abby. C'est trop l'émotion d'un coup pour moi. La voie est libre.
Allez. Mais salut Tuxedo. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Si tu le retrouves. C'est vrai les gignons. C'est vrai que. Permet d'essayer. Sérieusement. Fais gaffe à toi, Abby. C'est qu'il prend un risque. Hein. Après, il est cool. Hein. C'est juste qu'il y a, oui, effectivement, 2-3 facettes du personnage que je trouve un petit peu pas folle. Mais sinon, c'est un bon personnage aussi. Hein. Il y a déjà un... entendu un infecté là. Ah Isaac, ouais Isaac, ça parlait d'être le même. Mais après, ce qui est cool avec Isaac, c'est qu'il en impose quoi. Il en impose. Le mec, il est en face de toi, t'as pas envie de. Tu lui cherches pas des noises quoi. Hein, il te dit dors, tu dors. Hein, même si t'es pas fatigué, tu dors. Hein. Super. Là, va falloir fouiller de partout. Oh, c'est quoi cette odeur ? Parce qu'il va falloir absolument trouver des ressources. Ça va être le maître mot. Ça peut servir. Guerrier urbain. Pour les combats rapprochés, mais... Ouais mais non, tu vas pourrir ici. Jackie Chan, le magazine officiel. J'avoue. Y'a pas de ressources. Alors techniquement j'ai menti, on est toujours dans le jour 1 là en fait. On est à la fin du jour 1. Salut Sovena, bienvenue. Hop là, dès qu'on peut construire un truc, on construit. Là je peux construire quoi? On va construire ça. Tac. Ben voilà. Et normalement là, on a débloqué du coup... Ah, ben j'ai pas débloqué... Ah si, voilà. Ah oui d'accord, on a débloqué ça, ok. Comment ça t'allais rater mon live, Reda? Aïe aïe aïe. Oula, il y a des bruits chelous là-dedans. Oh, cool. J'avais jamais trouvé 5 pièces. J'ai un peu le seum avec mes trophées de The Last of Us parce que je les ai tous perdus, je ne savais même pas que c'était possible. Genre mes tout premiers trophées de The Last of Us datent de 2022 ou 2023 quand j'ai refait le jeu plusieurs fois comme ça pour kiff. Oh merde. Mais en fait quand j'ai fait le jeu pour la première fois en 2020,
Eh ben j'ai tous mes trophées de 2020 ont été perdus. Et je ne savais même pas que c'était possible. Du coup quand je vais sur ma liste de trophées, mes premiers trophées c'est mes trophées de 2022. Et je sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est un bug parce que le jeu j'y ai joué avant sa sortie? Parce que nous quand on reçoit les jeux avant leur sortie, nos trophées ils apparaissent pas. On peut débloquer les trophées mais on peut pas accéder à la liste des trophées. Alors est-ce que ça a bugué par rapport à ça? Je sais pas. Mais en tout cas mes trophées de The Last of Us Partie 2, sur PS4 je les ai tous perdus. Donc un petit peu le seum. Ah bah si tu voulais pas transférer tous les trophées, fallait pas importer tes sauvegardes. Si tu importes pas tes sauvegardes, ça transfère pas tous tes trophées. Attends, est-ce que c'est... Y'a quoi par là-bas? Pas un petit truc qui traîne là? Si, voilà. 20 petites pilules. 20 petites pilules qui vont nous permettre de débloquer ça. 50% de la vitesse de déplacement avec otage, ouais bon, ça pour que les trucs d'attaque éclair inflige de lourds dégâts au corps à corps aux ennemis. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. 50% de soins, ça peut vraiment pas être pas mal. 100% de ça, ah oui ça peut être vraiment pas mal. Ok, on va tout développer cette séquence là. Je peux y arriver avant la nuit. Il faut que j'y arrive avant la nuit. Oui bah c'est mieux hein, parce qu'après la nuit c'est un petit peu le bordel. Genre guide de la con. Oh, ces tarés sont vraiment à deux pas de chez nous. Voilà. Allez, ça part les pilules. Il me faudrait surtout des munitions quand même. Hein. Ah merde, c'est pas là qu'il faut aller. Bah non, c'est pas par là. Ah là-bas. Par là. Mais merde, je pensais qu'on pouvait monter à l'étage. Ok, donc on est obligé d'aller par là. Ok. Ça sort d'où? Ils sortent d'où? What? Je crois que mon... Mais qui con! J'avais mis le casque à l'envers, putain! Du coup c'est un casque avec audio spatial et je l'avais mis à l'envers.
Du coup, en fait, je les entendais pas du bon sens, c'est pour ça que j'étais complètement mindfuck en mode, mais ils sont où? C'est putain, fini. Mais quel con! Ouais, c'était le dernier. Quel con! Ah, je commençais à bugger en mode, mais attends, le jeu il bug. J'entendais le son arriver de ce côté, et ils arrivent de l'autre côté, je fais, what? Ouais, c'est complètement ça, ouais, je... Désolé, ça va, désolé, j'ai pas fait exprès, ça arrive, ça arrive. Mais c'est une expérience hyper troublante, hein. C'est une expérience hyper troublante. Et ça montre à quel point le son 3D est vraiment affolant, quoi. Parce que là, vraiment, j'étais complètement désorienté. En mode, qui est pas ça? Bon, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là? Que dalle! Allez là, pas cool! Voilà, il y a une petite caisse avec 7 boulons là. Un peu de scotch. Là, on a tout fait, on est bon. Putain, du coup j'ai niqué un sur un là. Oh, on peut en refaire, fait chier. J'ai niqué 2 sur 1. Alors. Et c'est vraiment la dèche en ressources et en munitions. Ouais, les effets lumière jaune orangé, j'adore aussi, ouais. Bah c'est ambiance coucher du soleil, hein. Ah merde. En plus c'était ouvert à côté, quoi. Non, c'est pas la même boutique. Là il va y avoir des ressources. Voilà, là il va y avoir des trucs. Encore des petites pilules. Encore des petites pilules. Hop là. Là dans tous les tiroirs, y'a rien dans tous les tiroirs, non. Ah, j'ai vu un truc briller là, non. Non. Ok. On va faire ça de la côté. Un Mac d'un autre studio, à part Absurd Venture, je dirais un studio français, soit Dontnod, soit Asobo Studio. C'est les deux studios français que je kiffe, qui font du très bon taf. Et donc voilà. Après voilà, le problème c'est que si je fais un Dontnod Mag ou un Absurd ou un Asobo Mag, bah dites-vous qu'ils sortiront un jeu tous les 10 ans. Donc on va éviter. Alors attends, avant d'aller fouiller tout là-bas, je vais aller faire la boutique. On va aller faire la boutique là. On sent bien attention parce que ça a claqué. Il y a des trucs à récupérer en vitrine, mais comme ça a claqué une fois, je vais éviter de... Même si je vois pas d'où ça peut sortir en fait. Ah, Plectel Rikiem, mais c'est une... C'est une pépite monumentale. C'est une pépite monumentale. On fera les deux, on les fera les deux, Plectel d'ailleurs. D'ailleurs, dans notre boss, on bossait sur le jeu Expédition. Expédition Mud Runner Game? T'es sûr?
Putain, il va directement avec le coude là, bam bam bam. Salut personne. Non, Quantique, j'aime beaucoup aussi Quantique, mais comment ça s'appelle Uplectel, on va les faire, hein, Statané, hein. Je sais pas encore quand, mais on fera les deux. Mais on va les faire pour sûr. Après Quantique, j'ai beaucoup aimé... j'aime beaucoup le studio. Mais j'ai été plus touché par les jeux Asobo, notamment Uplectel. Ou dans Node avec Life is Strange, Jusan... C'est pas vrai. Ah. Foutez-moi la paix, bordel. Bah voilà, on sait pourquoi ça a claqué. Qu'est-ce que dit Focus Studio? Ah ouais. Je savais pas du tout, tu vois. Je savais pas du tout qu'ils avaient bossé sur... Bon, on va essayer de la refaire, surtout que j'avais pas changé d'arme. Et du coup, un petit peu le seum, parce que j'avais pas envie de... J'avais pas envie de niquer mon silencieux. Très très cool, mode Runner Games. Hein. Après, je pense pas que ce sera mon genre de jeu. J'ai eu beaucoup de chance là quand même. J'ai eu beaucoup de chance, on va pas se mentir. Ah merde, je suis plein à ça. Pas quand il fait ça là. Pas quand il fait ça. Comment ça? Comment ça? Comment ça? J'ai déjà joué à Call of, mais c'est plus du tout ma tasse de thé. Là, j'avais dû tester le 3 là. Le Modern Warfare 3, ça a été une douleur monumentale. C'est plus du tout ma tasse de thé. C'est pas vrai. Bon, on va y retourner. Mais attends, c'est une blague là, j'ai en plein dessus. Tout à l'heure je le nique alors que je l'ai pas touché. Moi qui voulais économiser des munitions, c'est pas le bon plan. Fais chier. Bon, moi je récupère ma flèche. Bon, là on doit récupérer normalement une feuille ou un truc comme ça qui nous donnera le numéro du code. Ah non, mais la campagne de MW3, c'est une douleur, c'est une honte, c'est une douleur, c'est tout ce que tu veux en fait. Hein. Mais non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague ce qui vient de se passer là. C'était quoi ce saut de biche que tu nous as fait à Bill? Coucou les Mewinch! Ah, je vous conseille la vidéo de The Great Review hein, sur Call of Duty. Hein. Elle est sensationnelle. Hein. Sensationnelle. Foncez la voir. Hein. Ah bah voilà, ça c'est du saut là.
Voilà. 68, 96, 89. Let's go. Il faut pas rigoler avec Abby. Parce qu'en 1v1, 1v1 t'es mort. 1v1 tu fais pas le poids. 1v1 Petit chiffon. Oh, y'a rien, y'a pas de ressources, y'a pas de munitions, y'a rien là, s'il vous plaît, pitié. Ah, super, voilà. Voilà, deux cartouches de fusil à pompe, on prend. Hein. On prend de ouf. Hein. Ok, bon. On va pas aller bien loin quand même. Hein. On va pas aller bien loin. Hop, et le coffre, il est là. Donc on avait dit combien? 98, 86, 80, non 68, 96, 89, 68, 96, 89, 68, 96, 89, 68, 96, 89. Il est dur à retenir ce code là. 68, 96. Et 89. Bingo. Voilà, Y a pas beaucoup de munitions, hein. Putain, les seules munitions qu'il y a, c'est le fusil où je suis plein. L'angoisse. Là, on a dit qu'on prenait ça, hein. 50% de soins, on prend. Là. Ah bah on prend aussi ça. Tac. 100% de vitesse. Et 70% de durée de l'onde est prolongée. Ok. On prend. Bon voilà, ici c'est fait. Là c'est d'où on vient d'arriver. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose à voir ici, on sait jamais. Hop. Non, bien ce qui me semblait. Ah, peut-être là-haut, on peut escalader. Peut-être que là. Et c'est encore un truc où je suis plein. Je peux pas construire un truc avec la bouteille d'alcool. Ouais non, fais chier. Hein. On tombe toujours sur les mêmes ressources ou les mêmes munitions, c'est l'angoisse. Pour moi, les derniers bons jeux Call of, c'était quand même les Call of sur PS3 et 360. Hein. Après déjà sur PS4, Xbox One, en début de génération, ça tenait encore un petit peu la route, mais il y avait déjà eu du... Enfin, c'était déjà plus la même qualité, quoi. Après, si on part de la fin de génération, bon bah alors là... La porte des martyrs. Catastrophique. Elle est morte, mais ça vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. C'est vrai l'info que tous les jeux du Game Pass arrivent sur PlayStation, si c'est le cas il y a plus d'intérêt d'acheter une Xbox pour les prochaines générations. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Pour moi, ce serait logique en tout cas qu'une grande partie des jeux Xbox... Salut Achara, bienvenue. Ce serait logique pour moi que... il y ait une grande partie des jeux Xbox... qui arrivent, genre les jeux Bethesda et les jeux Activision qui ont toujours été chez PlayStation, pour moi ce serait logique qu'ils continuent d'arriver. Microsoft, ils ont perdu la guerre des consoles. Phil Spencer le disait très bien, que la génération à ne pas perdre, c'était la génération PS4 Xbox One, parce que c'était la génération où vraiment le dématérialisé s'est un petit peu développé,
que les joueurs ont commencé à constituer leur catalogue de jeux et que forcément t'as acheté pour 500 balles de jeux en 7 ans sur ta PS4, sur ton PlayStation Store, tu vas pas racheter tes jeux sur la Xbox Series X, tu restes sur PlayStation parce que tu les as déjà. Et donc Spencer avait totalement raison. Donc la guerre des consoles du côté de chez Microsoft, entre Sony et Microsoft, je mets Nintendo à part parce que Nintendo pour moi ils sont à part. Ils ont pas le même public et je pense que beaucoup de joueurs Xbox et slash ou PlayStation ont également une Xbox, une Switch. Parce que c'est la console un peu famille, c'est la console... c'est pas le même marché et le même genre de jeu proposé. T'auras pas du The Last of Us, t'auras pas du Red Dead, t'auras pas du Call of Duty sur Switch. Donc pour moi c'est un petit peu la console alternative que tu as parce qu'elle est cool quand tu pars en voyage, parce que si, parce que ça, parce que machin. Donc je les mets un petit peu à part. Je parle vraiment de PlayStation Xbox. PlayStation Xbox, tu sais que tu as littéralement perdu la génération de consoles. C'est-à-dire que nous sur Presse Citron, on a les statistiques en termes de recherche Google et en termes de vente. Comme on fait des bons plans, on a les ventes. Et pour je crois que pour une Xbox vendue, il y a entre 3 et 5 PlayStation de vendus. Donc c'est même pas serré quoi, c'est y a pas match quoi. Et ça depuis la génération PS4. Donc t'as d'un côté en fait Xbox qui se dit que quoi qu'il arrive, les consoles c'est mort. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de PlayStation en 1994, PlayStation domine. Y a que la génération PS3 360 qui était serrée et encore au global sur la fin de la génération, la PS3 était devant. Elle a été en retard sur toute la génération, mais sur la fin, avec l'arrivée de nombreuses exclusivités, ils ont fini devant. Donc, sachant qu'une chose, il faut savoir que c'est pas avec les consoles qu'un constructeur va se faire de l'argent. Et là, je vous parle à la fois de PlayStation et de Xbox et de Nintendo. Le hardware, c'est une plaie pour... on peut pas dire qu'ils vendent à perte parce que c'est pas forcément légal. Mais ils se font vraiment pas beaucoup de bénéfices sur les consoles. Par contre, sur la vente de jeux, sur la vente d'abonnements, là par contre, ils sont beaucoup plus gagnants. Donc t'as Xbox d'un côté qui produit des consoles un peu par obligation, parce que bah, forcément aujourd'hui les joueurs ont envie et ont besoin et veulent des consoles, mais qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui en plus ne sont pas leaders, loin de là, puisqu'ils sont derrière PlayStation et Nintendo. Mais à côté de ça, ils ont un service ultra performant, compétitif, qui est à ce jour la meilleure solution du marché. On va pas tortiller du cul, hein. Le Game Pass, pour moi, il pulvérise toutes les offres qui existent à ce jour. Et donc, bah, t'as tout intérêt, en fait, à mettre en avant ce service. Et donc si tu rachètes des studios comme Bethesda, Activision, etc., ça te permet d'avoir toutes tes exclusivités Xbox et donc les exclusivités tes exclusivités bon. Ça te permet d'avoir toutes tes exclusivités Xbox et tout le reste en fait. Et maintenant que t'es là, t'en penses quoi ? C'est un honneur, mais le territoire des Wolves est plus triste que je ne l'imaginais. Comment faisaient les gens pour vivre ici ? Qui me voit là ? Par ses paroles, la prophétesse nous a sauvés. Elle nous a appris. Ah, mais c'est le putain de sniper. Tous ces monuments à la gloire de leurs excès. Quel gâchis. Ils ont creusé leur propre tombe. Merde, j'ai pas changé de... Eh, je joue mal ce soir. Je joue extrêmement mal ce soir.
Retenez où j'en étais, hein. Il est où l'autre? Il y en a un qui traînait là, il est où? Ah mais il est là-bas ce bâtard. Bon, on va essayer la masterclass. Oh, let's go, t'as rien vu venir. Ah merde, mais il en reste un en fait. Ça je prends ça. Ça je prends. Oh là, mais il y a une flèche là-bas aussi, je prends aussi. Du coup, le putain de sniper, il est là-haut, il me casse les couilles. Ça va être chaud là. Ça va être chaud là, parce que là, du coup, je suis pas à couvert du coup. Et... tout seul mon pote, j'ai déjà tué tout le monde là. On va commencer par aller le buter parce qu'il me pète un peu les couilles. T'es pas un sniper toi? Voilà. Si tu casses un petit peu les couilles. Qui me voit encore? On a de la compagnie. C'est encore moi qui mets mon casque à l'envers ou quoi? Il y a un bâtiment en face ou quoi? Ah putain! Si je me souviens bien, c'est le bâtiment hyper relou où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séraphites. Et où ça va être un petit peu la misère. Vous vous souvenez... Salut petit Baracus. Vous vous souvenez dans les premières vidéos, quand j'ai ragé de ouf à Hillcrest, le quartier résidentiel. Avec Abby, on a que de ça. On a que des quartiers avec beaucoup trop d'ennemis. Donc potentiellement vous allez me voir rager. Potentiellement hein. Ça en ira après. On va quand même essayer de faire le maximum de repérage. J'ai vraiment besoin de ressources hein. Ok. Ok. Ah
De toi, j'ai niqué mon putain de silencieux. Tu iras en enfer. Voilà, tiens, t'apprendras à niquer mon silencieux là. Okay. On va refaire ça. Tac. Skelly, Skull Monkey, bienvenue. C'est quand même dommage que les actionnaires aient mis un coup de pression pour sortir le jeu avant la fin de l'année fiscale, un vrai remake en mode Rocket League. Roguelike pourrait beaucoup plus aboutir. Non mais on n'aurait jamais eu un vrai mode remake, hein. Tu peux pas avoir un remake d'un jeu sorti en 2020. C'est trop tôt. Il faut que ton jeu il ait au moins une dizaine d'années pour que tu puisses... Là le moteur graphique de Naughty Dog n'a pas évolué depuis la sortie de The Last of Us Part 2, tu ne peux pas faire un remake. Après le mode Roguelite... Bon, c'est sympathique, ça tient une dizaine d'heures de jeu mais... Tu peux pas faire plus que ce qui a été fait là sur le remaster malheureusement. Et il va vraiment falloir qu'on prenne cette arme là. Je vais peut-être la mettre là. Et en modification, il va falloir faire un chargeur. Mais attends, on était déjà là? Comment ça se fait que j'ai monté d'un étage? Attends, je suis monté d'un étage. What the fuck? What? Mais attends. J'ai monté un étage et je me retrouve au même endroit? Mais attendez, je viens juste de monter un étage là. Attendez. Là, mon cerveau il est en vrac. Non mais un moteur graphique ça ne s'upload pas comme ça hein. Un moteur graphique ça ne se plotte pas comme ça. Là le prochain moteur graphique ce sera sur leur prochain jeu qui sortira dans 3-4 ans. Optimiser, changer un moteur graphique, c'est pas aussi simple que ça hein. Et là je suis perdu, attends, j'ai monté un étage. Je suis perdu. Attends, là c'est d'où je viens d'arriver. Parce que la saison 2 elle arrive l'année prochaine les gars. Début 2025 on a la saison 2 hein. Je peux monter. Le jeu il commence à se rendre compte que je suis perdu. En fait les étages se ressemblent tellement. Ok. Comment ça faut monter? Alors la différence entre un remake, reboot etc. Un remake c'est vraiment tu prends le même jeu. Et tu prends le même jeu avec la même histoire, etc. Et tu l'améliores graphiquement. Genre ce qu'il y a eu avec The Last of Us Part 1. Ou avec Crash Team Racing, Crash Bandicoot, etc. C'est vraiment, tu prends les jeux qui ont un moteur graphique, etc. Et hop, tu les améliores. Après, tu as des remakes un petit peu particuliers comme Resident Evil. Ouais mais Dead Space l'ami il est sorti en 2008, ça fait 15 ans qu'il est sorti Dead Space, forcément, il a pas 3 ans. Et encore 2 minutes je suis gentil, Dead Space 1 il date pas d'avant. Les gars, un reboot voilà c'est comme Modern Warfare, c'est à dire que tu gardes la licence, tu gardes des personnages et tu repars de zéro. Tu crées une nouvelle histoire et tout. Ah putain mais on est plein là dessus mais en fait Abby elle a que des armes avec 4 munitions ou comment ça marche? Mais là techniquement avec The Last of Us Part 2 ils ne pouvaient absolument pas faire mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tout simplement en fait.
Et je pense que même ils ont pris suffisamment leur temps hein, parce que pour un simple remastered, ils ont mis 3 ans. Hein. Donc. C'est quoi tout ça ? Moi je commence à même me dire finalement ça. Ça sortira jamais parce que je me suis dit quand même. Le remaster de The Last of Us Part 1, il avait mis. Ah, capacité, voilà. On va augmenter la capacité. Non, non, moi je suis jamais pour les reboots. Jamais, jamais, jamais. Même que ce soit dans les films ou dans les films ou dans les jeux. En fait, l'œuvre originale est souvent parfaite. Pourquoi tu veux la changer? Pourquoi tu veux... Putain, à tous les coups, je pourrais pas... Si. Ah, nickel. Là-bas, il y a 2 boîtes de munitions. Et je vais aller chercher. Bah, le partien de la PS5... Ah merde, je peux pas remonter. Oh non, le seum. Pour moi, il est légèrement plus beau. Et encore, je sais pas. Que le partie 2 remastered, en fait, je pense qu'il a eu ce... Je pense que le partie 1 et le partie 2 remastered sont aussi beaux les uns que les autres. C'est juste que c'est beaucoup moins voyant sur la partie 2 remastered. Parce que la partie 2 en elle-même était déjà sublime, en fait. Mais je pense que là, la partie 1 et partie 2 remastered, ce sont les mêmes. Ouais, j'arrive pas à avoir dans ma tête les reboots, genre Tomb Raider. J'adore Tomb Raider, j'ai genre très hâte que le remaster... Ah putain, c'est vrai que... À la recherche des fugitives, moi aussi. Emily emmène un groupe en forêt à la tombée de la nuit. Elle les trouvera. Bien. Putain, de quoi j'ai terri. Y'a une loi ! Oh, salaud. Un peu emballé sur cette partie là mais ouais j'arrive pas à me rappeler un reboot qui pourrait être mieux que l'original vraiment je ah merde ils ont fini de parler du coup c'est une wolf ouais super. Voilà, viens là. Relâche-moi, misère! Espèce de lâche! Ah, ta gueule. Ça me stresse ce bruit, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qui me voit. Ce niveau est horrible. Ça peut venir d'en haut parce que en haut c'est. Ok, t'en as un là. Oh là là, mais attends, ils sont partout! C'était sûr qu'il allait attendre que je sorte. Putain! Voilà, ça y est, on arrive dans un niveau qui va me faire vriller, je vous le dis. Ce passage-là.
Ah merde, en plus ils me refont reprendre ici, ces bâtards. Ok, ils me font reprendre au pire endroit possible. Pas de... Je crois qu'il voilà, y en a un qui arrive là. De quoi ? Y'a une wall ! Ici ! Oh ! Ouais, putain ! Ah, c'est le. Et il y a plein de niveaux comme ça avec Abby, donc je vous le dis, vous avez pas fini de. Je vais pétine du rite. Là, ils me mettent vraiment au pire endroit, sa mère. Oh le bâtard. Quoi ? Voilà. Là, ils arrivent de tous les côtés. Inutile de jouer au héros. Et barrez-vous là-bas. Bon allez, on va sortir le... Tranquillement. Merde. Là, on est dans la merde. Ouvrons l'œil. C'est une blague. C'est quoi ce fusil de merde? Putain, je pensais que c'était un automatique là. C'est quoi ce fusil de merde coup par coup là? À couvert. Ah,
Ouais. Ok. On va tous les buter. Ok, doucement. Allez, viens à toi aussi. Voilà. Ok. Quoi encore? Ah, parole, ils sont combien servir. Là, il y a des ressources. Le silencieux, ça peut toujours être utile. Par contre, on va tout de suite l'enlever, parce que j'en ai marre de me faire niquer mon silencieux. Ouais, elle a dit c'est ciao. Est-ce que c'est bon au niveau... Faut juste que je descende là. Le combat des chefs. C'est comme dans Fast and Furious, Vin Diesel contre Hobbs. Ah. Attrape-la! Putain, laisse-moi! Aïe. Ça doit pas faire vraiment du bien, on va pas se mentir. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Donc ça, c'est il y a 4 mois. Peut-être donc... que je tombe mal. Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Ça a changé. Si on veut. Si on veut. Tu sais quoi? Avec la neige, la neige qui tombe, c'est trop classe. Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça, admire un peu. La référence au premier The Last of Us, quoi. Tu peins par-dessus la fresque de Max? Non, je la peaufine. T'as fait beaucoup de progrès depuis tes graffitis de Luciole. Eh, tu sais qu'une Luciole est arrivée le mois dernier? Une ex, Luciole. Elle aussi, elle a entendu parler d'un rassemblement à Santa Barbara. Et elle a des preuves pour confirmer cette rumeur? Non. Étonnant. Le pire, c'est que du coup, Ellie, c'était une Luciole aussi. Enfin, elle était pas encore rentrée chez les Lucioles, mais elle vouait un culte aux Lucioles. Et oula!
Il y a une poignée? Il y a une poignée dans le vide? Ok. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc? C'est peut-être toi. Avec la petite musique. Allez, c'est ici? On balade avec Mel. Ouais, bon. Elle se coupe pas très fort quand même. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire. Un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Et non, ils sont plus ensemble. Oh, c'est agréable. Ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi? Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Oh putain. Mais Abby sans déconner, elle boude de ouf. Non mais c'est une blague. Putain mais d'habitude je le fais sans souci. Non mais elle bug, cette scène elle bug. Voilà, là, voilà, c'est la scène qui bug. Et de deux. Et il en reste plein. Mais c'est une blague. Ouais, nique ta mère. C'est un instrument tellement. T'es vraiment un connard. Merde. 5, ça fait la moitié, Abby. Merde. Allez, allez. Dommage, tu t'en sortais pas trop mal. 30 secondes. Oh non, mais c'est une blague. Je suis vraiment super fier. Une dernière, et c'est bon. Ne loupe pas ton coup. Mais elle bouge de ouf! Merde, t'as réussi! T'as battu le record! Ah, il me reste du temps, non? Et celle-là, là! 5, 4. Eh ben voilà! 3, 2, 1. Donc je les ai toutes faites? J'ai réussi! Du premier coup! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial! Super forte! Arrête! Et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non. Elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. C'est des gamins tous okay. Les deux. Même Abby a fait ça pour faire chier Mel, c'est... Bon. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non, mais j'avoue que ça serait marrant. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu? Assieds-toi. J'adore cette musique.
Goûte-moi ça. Bonne soirée, Sauvenia, merci d'être passé. À très bientôt. Alors ? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente ? Ouais, je préférerais. Enfin, meilleur ami. Tu sens que Abby, elle a un peu le seum quand même. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors. Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi? La chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Mais tu sens qu'il y a un truc entre eux, quoi. Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se J'ai lève... trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Je pense que c'est Owen qui a rompu. Même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Mais Reda, me dis pas à tout de suite sur Instagram alors que ça fait déjà 3 heures que t'es sur le live. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Ta ta ta. Ah, cette fameuse séquence qui avait été présentée à la Paris Games Week. Qualité graphique, c'est zinzin. Libère, allez. Ainsi, ils pourront connaître. Non. Ah.
Yara. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. La descendre. Mais c'est une des leurs. Lève ! Bah, surtout que ce qui avait choqué, c'est gaffe. Qu'ils avaient balancé ça à 18h. Heure de grande écoute sans prévenir. Yeah.
mort depuis peu. Et un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Allez, lève. Occupe-toi. Pousse-toi. Allez-y. Je suis là. D'une dame. J'ai esquivé, putain. J'ai jamais rien compris au système d'esquive dans The Last of Us. Ah. C'est vrai qu'elle fait donc deux coups là. Putain! Merci beaucoup Karen. Oui. Merci beaucoup Karen Asoyan. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue sur le live. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à ceux qui arrivent, ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui reviennent. Hop. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est blanchir monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots. Ah, forcément sur The Last of Us, et merci pour le follow. Forcément, on est sur le meilleur jeu du monde. C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. Putain, ça veut dire qu'on a pas besoin de, on a pas besoin d'aller chez le coiffeur chez Séraphite. C'est chaud hein. Yeah, merci beaucoup Quentin. Hop là, les petites pilules qui font plaisir. On en est où des pilules là? Les prochaines c'est à 5. Oula, il nous en manque beaucoup beaucoup. Il nous en manque beaucoup. Ah là ça... Putain!
Incroyable, vraiment dès que je trouve des munitions, c'est mes armes où je suis full. Pas de chance quand même. Ah, une télé connectée, j'avoue que c'est un bon investissement en 2024. Voilà, il y a des trucs à récupérer. Là, il y a des trucs à récupérer. Mais j'ai toujours pas entendu le petit clic qui me signifie que je vais pouvoir fabriquer des choses. Ah voilà, ça ça fait plaisir. Ça ça fait pas plaisir. Ça ça fait plaisir. Ok, là on a tout fait, là on a tout fait. Petit paquet de chips, il fait plaisir aussi. Qu'est-ce que je peux fabriquer moi? Des surins. C'est toujours utile face aux infectés, notamment aux claqueurs. Tac. C'est la dèche de ressources, hein. On va pas se mentir. Dans les chiottes, t'as toujours des trucs à récupérer dans les chiottes, des petites pilules ou un truc comme ça là. Bon, pas là. Ok, donc là on vient d'arriver par là, donc on passe par là. Explosif, on prend aussi. Voilà le petit clac qu'on aime bien. Le petit clac, on va faire de ça. Toujours intéressant, toujours utile. On prend ça aussi. On prend ça aussi. Et on ressort. On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. Mais non, mais lève! Tu m'as fait niquer ma brique! Il est con ce gamin! Entre les flèches de lève et les patates de Abby, aucune chance. Aucune chance. Ah oui, c'est pas pour Netflix les téléconnectés, c'est pour regarder les streams de Chris. Ah mais les chinis on les entend mais on les voit pas. Hein. Ils sont où là? Oula. On essaie de pas tomber. Pas tout de suite. Alors, on va un petit peu les allumer d'en haut là. Parfait. Allez gamin là. Non, reviens là. Suis la lumière. Yeah.
séquence un petit peu intense hein. Ah mais c'était le dernier. Là il y a de la ressource hein. Je suis quasiment sûr. Attends, mais quand je casse une vitre, ça nique. Attends, là il m'en reste 3. Ah non. Putain, j'ai cru que casser une vitre, ça a niqué la durée de vie de mon. Voilà, ça on prend. Ça on prend. L'ambulance, c'est les moments aléatoires dans le let's play de GTA 5 ou de GTA RP. Ça me dit rien du tout le moment d'ambulance. On va les continuer les let's play de GTA 5 hein. On va les continuer hein. On termine The Last of Us partie 2 et on enchaîne hein. C'est passé, vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. Le let's play. Attention. Putain, je m'en rappelle pas du tout. C'était un camion de pompier ou c'était un. Ou c'était un. Ou c'était une voiture de police? Ah non, oui, camion de pompier, oui, je m'en rappelle. On est bon. Y'a pas une brique à ramasser par là? Ah bah je l'ai ramassé. Ah mais y'a encore une. Putain, c'était en train de faire l'animation. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Salope.
Non mais partons. Mais comment ça? Je suis en train de me faire niquer là. Un coup de pompe dans la tronche, le claqueur il est pas mort. C'est quoi cette connerie? Ils sont en train de rendre fou là. Pas du tout de ça. Comment ça? Oui, bah attends, je prends ma munition là. Attendez, je me rappelle pas du tout. Il y a vraiment deux puants à la fin. Il y en a d'autres. Attendez. J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien à moi. Ok. Mon bras. Salut Slowday, comment ça va? Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. D'abord, merci Dark Knight pour le follow. C'est les portes. Et vérifie qu'il n'y a pas d'infecté. Bah ça va super. Et c'est les autres. Non, non, pas de séance de psy aujourd'hui. Aide-moi à enlever ça. Oh, son bras. Il faut juste le remettre en place. Ok. Tu sais comment t'y prendre ? Bonne soirée, Slouk, et courage à toi du coup, hein. Force. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok? Vas-y. T'es prête? Oh. Comment tu t'appelles ?
l'avoir libéré. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Maintenant... Bon, on est vraiment dans la merde niveau munitions. L'aquarium est juste là. C'est parti. Ouais, prends un sneakers. Voilà. Alors, rafale de tir. Ça, c'est oui. Ça commence à avoir le coup par coup, là. Bah, là, justement, elle va juste s'assurer que Owen est encore en vie, en fait. Voilà, là, ça va mieux envoyer, là. Là, 80 pièces, c'est... Les améliorations, elles sont super chères. J'ai pas vu combien le pilule a pris là. Ah. Nous avons combien là? 50, 100, 140, 190? 190, ça commence à faire. Hein. Ça en fait des pilules. Hein. On va se droguer là. Merde. Salut Olympin! Là je joue en normal là. Oh bâtard! Mauvais plan! Yeah.
activé. Putain, quel bâtard ce... Et merci pour le sub, Olympaz. Quel enfer ce... ces bâtards là. Ah, je veux bien Quentin, que tu m'envoies, merci. Non, ce qui monte, je pensais qu'il pouvait monter, mais j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième rôdeur en fait. Je croyais qu'il y en avait qu'un. Du coup, il m'a surpris parce qu'il est arrivé de nulle part. Je déteste les rôdeurs. C'est les pires. C'est par là. Après, un claqueur c'est pas nager, donc osez. Putain, mais le jour 1 avec Abby, il est super long en fait. Là, c'est d'où on vient d'arriver. Ça, on est plein là-dessus aussi. Ah, 16. Allez là.
Ça y est, les claqueurs encore. Non. Comment elle a séché le claqueur ? Une droite et bim ! Un autre claqueur là-bas. Des améliorations d'armes, on prend. Pas des petites pilules là nouveau là ? Ah voilà, il y a des pilules là. Ah, petite trousse de santé qui fait plaisir. Merci beaucoup. Bah c'est vrai que en fait je demande des fois au modo et même à la commu de faire des clips. Des clips des moments drôles comme ça. Comme ça, ça permet de faire des best-of plus tard. Ah, attention Moussouk hein. C'est pas des zombies. Hein. C'est des infectés et des claqueurs. Attention, les termes sont importants. Ah bah écoute, c'est adorable si tu en as l'envie, avec grand plaisir. Hop là. Ah oui, je peux améliorer sur hein. Les bizarres là qui sont à moitié humains, c'est les infectés. Ceux qui attaquent par surprise, c'est les rôdeurs. Et ceux qui ont une tête de champignon là qui claquent, c'est des claqueurs. Ensuite, t'as les gros là qu'on a dit qu'ils étaient deux là, c'est des puants. Vraiment les gros trucs qui balancent des sports. Et après t'as les colosses, mais eux ils sont vraiment très gros. Voilà, ça c'est un claqueur ça. Voilà, ça c'est un claqueur. Un petit paquet de chips, voilà, comme ça on est full au niveau de la vie. Voilà, on récupère, ça c'est propre ça. Petit headshot, on le tue en une fois et on récupère la flèche. Ça on aime. Il y en a encore. Ah bah oui, elle est juste là. Voilà, ça c'est les infectés ça. Ça c'est les infectés ça. Ça c'est le premier stade de l'infection. On regarde sur les sièges, y a pas des trucs qui restent là. Non. Spécial, effectivement. C'est... Ça... Il y en a un paquet, bordel. Va falloir aller ouvrir le coffre, hein.
Allez, viens là. Et le début des emmerdes. Le gros début des emmerdes. Ah merde, 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 pas vite. Oh non, j'ai pas mon fusil à pompe. Les couilles là. Bon, par contre, j'ai zéro munitions. J'espère que. Bah oui, je suis en New Game Plus là. Ok, on prend des fléchettes. Ça, ça aurait été pratique juste avant. Oh, y a aucune ressource. Quel enfer. Y a aucune ressource. Mais quel enfer. Ah, le jeu il est incroyable. Putain, mais le numéro de coffre il est où? Oh non, ça a refermé la porte. Oh non, je me suis fait baiser. Oh non, j'ai trop le seum. Faut pas sauter là. Ah, j'ai trop le seum. J'ai très hâte de faire Eleanor aussi, ouais. Mais en fait, j'ai hâte de faire tellement plein de jeux, en fait. J'ai hâte de faire tellement de jeux que... Eleanor, faire Burnout 3, faire les Sly Cooper, faire les Jak and Dexter, faire les Uncharted, faire GTA Vice City, GTA San Andreas, faire les nouveaux jeux... Non, pas encore fait San Andreas. Il faut que j'essaie le niveau supérieur. Putain, mais on y est vraiment pas encore en fait. Ils nous... On va juste terminer.
Ah, San Andreas, c'est quelque chose, San Andreas. Hein. Je sais que t'es là, Wayne. Owen. Red Dead 2 aussi, ouais, effectivement. Bah ouais, j'attends le PS5. Hein. Owen, réponds. Mais si vraiment cette année, il sort pas, Red Dead 2, on l'attaquera début d'année prochaine. On fera Red Dead 2 et Red Dead 1 d'affilée. Et... Parce que si vraiment il sort pas cette année, je me dis que bon, il sortira peut-être jamais, quoi. Mais quel con! Mais quel con! Ah putain, le con! Oui, Mosouk. J'ai le platine sur PS3, PS4 et PS5. Mais non, mais la méthode, je voulais le faire avec une brique pour économiser une... Pour économiser une balle. Je suis trop deg. Ah, Bully par contre, exceptionnel. Par contre, Bully, on l'a fait déjà. Bully, l'ensemble... L'ensemble des let's play sont déjà disponibles sur la chaîne. Non. Pas sur Rockstar Mag, on l'a fait déjà. Et exceptionnel, Bully. Hein. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? Bah, elle est petite en 2024. Mais à l'époque, la map, elle était d'une taille très très bonne. Hein. Surtout quand on fait quasiment tout Owen. À pied. Hein. Mais tu vas voir, c'est cool de faire les 100% de GTA 5, Mosouk. Owen! Putain de merde. Le générateur électrique avec toutes les fuites d'eau, pas très safe, hein. Évidemment. Owen. C'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé?
On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et... Dany s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre, qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Émotionnellement parlant et psychologiquement parlant, ça doit être horrible de vivre dans ce monde-là. T'imagines ? Tuer ou être tué. À Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur ? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Il lui sort le même discours qu'elle lui a dit pour Joël. C'est une piste, il faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Ouf. Ouf. Les massacrer. Ouf. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. Bah, de toute façon, Voilà. Voilà. La musique. Oui, la musique. La musique était très bien, Reda. On est d'accord. Quoi ?
Ah mais sur TikTok c'est mort hein. Sur TikTok ce serait déjà Normalement dans un jeu tu ne peux pas te faire ban pour ce genre de scène. Normalement. Après si dans 5 minutes ça coupe c'est que... bah voilà, il y aura une semaine de vacances sur Twitch quoi. Bon une pensée pour Mel en tout cas hein. Putain. Voilà, on arrive au jour 2. On s'en fiche jamais, c'est un boulet. Boulga, il a pas le temps. Faut que je les sorte de là et vite. Et merde. Je suis dans la merde. Je suis sacrément dans la merde. Je suis sacrément dans la merde. Là, je suis... Alors je pense que... Vu où on en est, on va se laisser crever. Il veut pas sortir sa tête, l'autre con ? Merde. On va se laisser buter. On va laver pendant encore 10-15 minutes. Je fais juste une séquence là et je pense qu'on va, on va arrêter pour ce soir. Mais on va juste... Ah, ils font chier là, ils sont nombreux.
quelqu'un a réussi à passer. Faites attention. Oh non. Et voilà. Là-dedans. Tenez-vous prêts. Allez. Salut Courtois. Bonjour, je suis heureux de te voir pour la première fois live. Bah bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Merci à toi de nous rejoindre pour la première fois, en espérant que ce soit pas la dernière. Installe-toi confortablement. Merci pour le follow également. Que depuis je peux réaméliorer oh non, je peux rien faire là on a tout ok, on peut rien faire. Prochaine amélioration, c'est la lunette x4, ce sera bien intéressant. Oh, super, il me reste une balle. J'espère qu'ils sont encore là. Des balles, des balles, des balles, des balles, des balles. Voilà. Petit, vous êtes encore là ? Faites pas un pas de plus ! C'est moi ! Désolé. Bah t'as bien fait ! J'ai découvert ta chaîne YouTube Naughty Dog Mag il y a moins d'un an, du coup j'ai rebellé ton let's play sur YouTube et je me suis dit bah t'as bien fait. T'as bien fait. Ah bah oui, on va en parler longuement de ce qu'on en pense, enfin ce que j'en pense moi, mais ce que vous en pensez vous à la fin. Je pense que d'ici 2-3 lives maximum, on arrivera à la fin. Donc Je dois bouger ton bras. Où est-ce que tu l'emmènes ? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Il lui reste une solution. Owen ! Je sais pas si l'équipe sera à dispo pour en débattre. Owen ! J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc, baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui ? Alice. Ah. Nous y voilà. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses ?
Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Ça s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. J'ai rien fait, hein. Faut l'allonger. On lui en parle de ce qui s'est passé la nuit dernière ou... Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, Maxime, que j'ai regardé. Il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. Oh non, les chenilles. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher c'est ce qu'il un faut. Jour de route. Je m'en fous. C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... Vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Mel, ça l'arrange? Oui, vas-y. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Bon, les gars, c'est peut-être pas le meilleur moyen de dire ça. Oui. Comme elle tire la gueule, Mel! En mode, quoi? Laisse-la partir, là. Hé. Hey. Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Devant le gosse, c'est... Quoi, peut-être? Il s'est passé quoi hier soir? Laquelle? Oui, attention pour toi, parce qu'en fait, sur le chat, il y en a qui n'ont jamais fait The Last of Us partie 2. Donc pour eux, c'est une découverte. Du coup, on évite de parler de tout ce qui se passe après ce moment-là. Tes amis sont des wolves aussi? Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel... Comment il s'appelle, lui? Owen. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? La passerelle est là-bas. Le chemin là conduit vers le centre-ville. La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides? Ouais. Tous les rapides? Ouais. En quelques heures seulement. Je m'en pas. Ok. Voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Ouais, bon. On en voit qu'une partie, quoi. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel?
Ben... Raquel essaie de l'opérer avec Scowen sous la main. Si tu tombes pas à l'eau, tu seras emporté par les rapides. Bien sûr. C'est nager, au moins. Ouais, je tomberai pas. T'es sûr de toi, ça. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. On trouver des ressources. Passerelle, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Bah c'est le personnage qui est comme ça. C'est le personnage qui est comme ça. C'est pas le doubleur. Le doubleur il fait ce qu'on lui demande et il suit des consignes qu'on lui demande. C'est par là. Oh merde. Pourquoi elle dit oh merde là? On fait pas des feintes hein. Ça va. Je te dis que ça va. Si c'est ouvert, je rigole. Il va falloir qu'on fasse quelques détours. C'est vraiment le réflexe où du coup t'as envie de tout péter. De temps vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste. Partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désolé. Pourquoi tu l'as fait alors? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais. Non, c'est moi, je suis pas con, il y avait un truc à ramasser là. Non ? Ah. On va avoir de la pilule là, je sens qu'il y a de la pilule. Voilà ! Maintenant, est-ce qu'on est à 50 pilules ? Oui, voilà ! Let's go. Donc là on n'a pas encore le coffre. On n'a pas encore le coffre.
Oh, y a aucune ressource, sérieusement. Cool. Tu t'en sers depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt doué. Tu devrais voir Yara. On est plein. Merde. Des démons. C'est par là qu'on doit passer. Putain, et forcément. Il faut des munitions, sinon on est sacrément dans le caca. Tu vas bien? Ouais. Bon, on va être sacrément dans le caca. Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. 100, 200, 400. Ah bah là, il a mangé un sacré cassoulet, le monsieur, là. Ah ! Un fusil à pompe ! On va pas aller bien loin avec ça, mais on prend quand même, hein. Dans la cuisine, y'a toujours des trucs qui traînent, là. Visiblement, non. Des ciseaux. C'est la dèche en ressources et en munitions, c'est affolant. J'en ai besoin, moi, là. J'en ai absolument besoin. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, des serins, c'est toujours utile, des serins. Ah, putain, on peut en même en refaire le deuxième. Parfait. Voilà. Y a pas de trucs qui traînent, du coup... Voilà. J'ai mon silencieux, oui. Bah ça on peut dégager, ça nous servira strictement à rien. Putain, on est vraiment en munitions. Le courant est super fort par ici. Fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais.
C'est bon, t'as sauvé, t'as pas commencé à nous casser les couilles, on t'appelle comme on veut. Est-ce que je peux faire ma lunette x4? Putain, fait chier. Il en faut combien pour la lunette x4? Putain, il en manque encore 12. Plus que 6 pièces, on peut faire notre lunette x4. Ce qui nous servira strictement à rien puisqu'on a 0 munitions. Mais bon. Ah ben voilà. Let's go. Genre ma lunette. Elle sort ça de son sac. Pop 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 pop. Nickel. Voilà, avec ça on va bien viser. Pourquoi c'est quoi ça? Ah oui, je peux faire une rafale. Ah oui, je peux faire des rafales de 3. Excuse pour manquer un tir. On va pas s'emballer non plus. Hein. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Des ressources, s'il vous plaît. Ah non, mais pas des ressources que j'ai déjà. Ah, let's go, ça on prend. Ça on prend. Là, je suis en normal plus. Attends, saute pas tout de suite. Finalement, va sauter. Là, vu de dire, elle me casse les couilles. Elle monte, elle descend, elle sait pas ce qu'elle veut. Des chats. C'est toi le chat. Des chats qui dansent. Ils étaient bizarres les gens d'avant. C'est toi qui es bizarre là. Il est fou, lui. Ok, allez, on remonte. Ça craque dans tous les sens, là. Tu te dis, c'est quoi, ça? Y'a plein de lieux là. Mais y'a rien qu'un. Mais y'a rien.
Putain. J'avais un cousin qui avait le garçon. Tant mieux pour lui. On bat les couilles, frère. Attends, on peut aller là-bas. Par là. Attends. J'ai pas tout fouillé, bro. Comment je fais pour aller? Y'a pas un truc là-bas? Non? Ok, donc ils ont vraiment modélisé une pièce entière. Pas accessible. Ouais. Je doute. Okay. Après, je vois rien briller donc. Ah, bah, je vais utiliser ma lunette. Hein, je crois pas que ce soit accessible. Ouah, ça m'a fait peur le bras de... C'est quoi? Ah mais non, c'est un truc de vélo, putain. Là aussi, le petit souci du détail. Ils ont modélisé une pièce entière, mais tu vas pas la pièce. Allez, viens. On va encore monter longtemps. Ça veut dire oui. Oui. Frimeur. C'est pas si dur que ça. Ouais, ouais. Pour Abby, c'est non. Pas de ressources, sa mère. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire on. Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. J'ai pas de... T'aurais dû rester où tu étais, Lily. Près du bureau. Oh. Oh la violence. Il est parti ou l'autre? Encore.
Tu vas bien ? Ouais. Je vais t'aider. C'est bon. T'as entendu comment ils m'ont appelé ? Ouais. Tu veux pas me poser de questions ? Est-ce que tu veux que je te pose des questions ? Non. Ok. Oh, lui, je l'ai pas loupé, hein. Oh là là ! Sa tête, elle est là. Enfin, une bourse de sa tête. Berk. Ah ! Mais il y a pas que sa tête qui a volé, en fait. Je l'ai vraiment dézingué, hein. Je pense qu'il a senti passer. Il y a zéro ressource. Rien. Que dalle. Qu'on construit ça? Les séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. Là, voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins ? Quelques-uns. Ça prendrait beaucoup de choses. C'est ça. Ah, je suis déjà plein en flèche. Que des... Oula ! Ah, ben voilà ! Du coup, est-ce que je vais avoir assez pour fabriquer quoi que ce soit ? Alors, là on a tout. Là on a rien. Là on a tout. Là on a tout. Ah, il y a une lunette x4 pour lui aussi. Hein. Ok, bon, ça on peut rien faire, mais il ne reste plus que deux armes à modifier. Ah, les petites pilules aussi là. On prend tout ça. Je passe devant cette fois. C'est un honneur. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fiers de lui. Nous le sommes. Merci. Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Mais je ne pense pas qu'elle soit prête. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. À ta droite, ouais. Elle a un arc. Bien sûr. Bon, c'est sur cela, les amis, que l'on va stopper le live de ce soir. Je vous ai offert une demi-heure d'extension. Voilà. Ben voilà, Boulouga. On est synchro.
Mais c'est ce soir ouais, qu'on va stopper. Je vous rappelle que demain, pas de live, j'ai une réunion. On se rejoint mercredi. Mercredi, on continue GTA RP. Jeudi, pas de live parce que c'est le bilan trimestriel de Tech2 Interactive. J'aurai sans doute du boulot sur Rockstar Mag. Et vendredi, on continue GTA RP. Et dès la semaine prochaine, on continue The Last of Us, bien entendu. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci aux nouveaux qui nous ont rejoints ce soir, en espérant que vous avez passé un bon moment et que ça vous donne envie de venir suivre les autres lives, même ceux qui ne sont pas des lives Naughty Dog ou quoi que ce soit. Merci Diego pour le follow. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis bonne soirée les amis, à la prochaine. Je vais me lancer dans la série GTRP avant de rattraper les lives. Ben vas-y, fais-toi plaisir, surtout que là en ce moment ça devient très intéressant. Et donc voilà, merci à tous, passez une bonne soirée, et nous on se dit à dans deux jours, salut à tous.